Goedemiddag allemaal. Ben ik goed verstaanbaar? Goedemiddag, tout le monde. Ik ben blij dat mijn computer het nog doet. Kan ik u een aantal zaken tonen? Ik heb deze namiddag eigenlijk een lezing meegebracht van een man wiens levensloop ik wat onderzocht heb. Niet zozeer omdat ik bijzonder geïnteresseerd ben in de geschiedenis van Action Reinhardt of meer specifiek Action Erntefest, maar surtout en tant que criminoloog. J'ai recherché comment évoluent les auteurs sur les auteurs qu'ils sont. C'est une discussion très passionnante, très captivante. Et vous venez d'entendre, j'ai travaillé avec des psychopathes. Je sais qu'ils ne sont pas très conviviaux. Bon, c'était mon job dans... avec cette vision sur... En tant que criminologue, je vais rechercher quels processus font des individus, des groupes, en tant que société, de glisser vers la direction d'acceptation de la violence extrême comme solution ou comme moyen pour atteindre un certain but. Ce but peut être une société basée sur la race, ça peut être une société religieuse comme le califat. Et je parle des différents contextes de l'Holocauste et terrorisme. Je veux vous faire une présentation de certains modèles. Il y a 7 ans, je sais exact que j'étais à Madanek, je recherchais donc l'histoire de cet homme, Carl Friedrich Gottlieb Höcker, l'homme qui nous a fourni l'album de photos en 2007-2006. Il était dans le musée d'Holocauste à Washington. Un homme qui, pour moi, était très captivant parce qu'il était inconnu. Il nous a donné une image depuis 2007 d'Auschwitz-Birkenau. Et en ce qui m'intrigue beaucoup, parce que j'avais vu quelque chose pour comprendre les modèles et qui l'ont visualisé. Pour moi, c'était très passionnant de voir quelle était l'enfance de cet homme. Donc, je fais une micro-histoire. Et il y a 7 ans, le 3 novembre, j'étais à Majdanek à la recherche de documents qui me donnent un aperçu sur son histoire de vie. Je vais la partager avec vous aujourd'hui, pas pour vraiment mettre cet homme au centre, mais de le voir comme un cas et faire de micro-histoires comment cette carrière de cet homme, qui d'après moi a un rôle plus important à jouer dans un certain nombre de procès de meurtre, donc Action Huss, il faut le placer dans la structure au sein de tous les autres facteurs et acteurs. Donc voilà ma recherche, et Höcker est un cas important pour moi. Comme je viens de le dire, j'ai commencé avec cet album en 2006-2007. Donc il y a un album, Auschwitz. Notre première réaction était que c'était comme un album qu'on connaît déjà. L'album Jakob, que ces actions hongroises à Auschwitz-Birkenau, en été de 44, on avait pensé, c'est un nouveau album. Il faut que ce soit un de ces albums de présentation que le service de photographie a fait à Auschwitz-Birkenau pour le processus graduel vers l'extermination, et en utilisant cela comme représentation visuelle de cette période. Rien n'était moins vrai, ce n'était pas une victime ou un album où était représenté la victime. C'était un album personnel, donc c'était soigneusement composé avec des photos faites par l'homme ici à votre droite, Carl Friedrich Höcker, l'adjudant de camp commandant de Auschwitz-Birkenau. Et cet homme était particulièrement inconnu dans l'histoire de l'Holocauste. Donc ça fait beaucoup de temps avant que les collègues historiciens de le musée de Holocaust Memorial ont identifié l'homme, parce que dans la littérature il n'est pas présent. Ce que j'ai trouvé, c'est une citation de Höcker dans Journey to a Haunted Land,
Amos Eilon, et je trouve une citation très particulière. Il y avait un cassier, le nom de Karl Hooker, qui était, il avait 33 ans, et il a vécu dans un petit village près de Lübeck, où il était un chef cassier de la banque d'épargne, de la caisse d'épargne. Donc, il était chargé de beaucoup d'argent et son passe-temps était le jardinage. Si vous allez vous approfondir, vous voyez le bon père de famille avec ses deux enfants, bon, avec les oiseaux et la volière qu'il avait dans sa maison à Lübeck. Si vous allez regarder dans la période que cette personne était active sur l'album, vous ne pouvez pas vraiment bien le lire, mais là, il a repris tout en bas l'inscription sur la première photo. Il y a Auschwitz, 21 juin 1941. C'est la période où ces actions hongroises, l'assassinat sur des juifs hongrois à Auschwitz-Birkenau. Et c'est un premier indice. Bon, voilà, il y aura une histoire tout à fait particulière. On verra la violence, mais rien n'était moins vrai. Vous voyez des photos personnelles de son carrière. La deuxième page, le Obersturmführer, le 21 juin. Donc, c'est le thème de cet album. Et là, vous voyez différents instants de team building. Voilà, le soudage d'équipe. Vous voyez donc un moment de soudage d'équipe, le 15 juillet, un samedi 1944, après l'action Huss. C'est la période après que 120 000 juifs hongrois ont été gazés. Vous voyez tous les acteurs principaux sur cette photo, la photo tout à droite, en bas. On l'appelle le single arm photo, donc... Il y a un petit pont sur le Soude, c'est un endroit de retraite à 30 km de complexe d'Auschwitz. Les gens qui sont représentés là sont le commandant, l'exécuteur de Birkenau, qui ont assassiné donc, cette masse de juifs hongrois. Ce qui nous a frappé sur les photos étaient les relations, les réseaux. Bon, c'est très captivant, hein. En premier lieu, vous ne voyez pas l'horreur qui s'est passée, mais surtout la proximité, qui a contact avec qui. Ici, sur la photo en bas, on voit que les officiers sont à l'avant, et vous allez plus haut, il y a des moins gradés, hein. Donc la cordonniste est toujours présente. Un peu plus tard, vous voyez très bien qui est l'un à côté de l'autre. Vous voyez... Richard Beer, le dernier commandant de camp d'Auschwitz, Josef Mengele, Rudolf Höss, les acteurs principaux de ce dernier épisode à Auschwitz-Birkenau. Bon, voilà, c'est un événement très particulier parce qu'il y avait un ordre, que c'est un moment de team building après cette action Höss. À ce moment que ce travail a été fait dans la psychologie nazie. Deux semaines après, il y aura des moins gradés qui vont, avec Höcker, aller au chalet. Donc, c'est le 22 juin, vous voyez donc la proximité. C'est la secrétaire de Höss comme adjudant. Il y a les aides SS des dames qui ont été formées et qui assurent la communication à l'inspectorat à Berlin. Voilà, vous voyez, plus tard, ils vont à l'intérieur parce qu'il commence à pleuvoir. Un peu plus tard, il y aura une éclaircie et il y aura donc sur la terrasse au soleil. Donc le chalet a été conservé jusqu'en 2011. Seulement en 2007, quand l'album a vu le jour, cet endroit est devenu plus clair, à quoi ça a servi. Il y a encore des chalets dans l'environ qui sont sur domaine privé. On entend des subsides européens pour les démolir.
2011, ils ont démoli parce que le gouvernement polonais pourrait le classer à ce moment-là. Ce serait un endroit qui est un endroit très touristique. Voilà donc cette une image qui m'a titillé. Donc, surtout pour ce que je ne voyais pas, la violence extrême et l'horreur. Pour moi, les photos les plus terribles qu'on pourrait avoir, on l'a mis contre l'album Hooker, c'est l'album Lily Jacob. Là, vous voyez des parents, des grands-parents, des petits-enfants, une demi-heure avant qu'ils soient gazés. Pas seulement les photos qui sont très maigrichons et tout ça, mais surtout les êtres humains qui, une demi-heure devant leur mort terrible et l'acclimatation, seront photographiés. Ce que vous voyez, c'est que, si je le regarde en tant que criminologue, ça démontre la normalité qu'ils organisent de ces événements, qu'on était déjà... Si aujourd'hui vous visitez Auschwitz-Birkenau, donc vous allez visiter la zone balisée par l'UNESCO, mais si vous arrivez donc au coin, il y a la Villa Huss, si vous continuez 500 mètres, il y a la petite cabane qui était la petite école SS, et 100 mètres de l'autre côté, vous voyez la cuisine SS, donc un hall d'événements, tous les grands opéras qui ont été organisés à cet endroit-là, à 100 mètres de camp intérieur à Auschwitz 1. Si on va voir The Private Lives des SS. Donc, vous allez voir des sources des années 70. Il y a beaucoup de divertissement social après les heures de travail. Ces heures de travail, on sait qu'est-ce qui arrive, mais bon, il y a des divertissements. Donc, après le meurtre excessif dans le centre d'extermination, je veux m'arrêter sur cela. Comment je me suis pris, qui est l'homme qui a fait cet album, mais comment je dois le placer? Donc, c'est la même histoire que Wirth. Comment se fait qu'il soit inconnu? Qu'est-ce qu'on apprend dans nos recherches des réseaux de la perpétration? Je vous passe en revue de sa carrière, donc Carl Friedrich Hooker, le 11 décembre 1911, il est né à Engershausen et le cadet de 6 enfants. La famille grandit en pauvreté. Son père, Heinrich Hooker, est décédé lors de la Première Guerre mondiale sur le champ de bataille français. Et la mère, Louise Hooker, Ungur, donc, a une petite entreprise agricole pour faire survivre la famille. Donc ça connaît un déroulement classique. Et bon, comme on voit, mais d'autres commandants de camp et des officiers haut gradés, donc de 6 jusqu'à 14 ans, il est allé à l'école Volksschule. À partir de 1926, il a suivi une formation de commercial. Il était effectif en intérim comme Werkzeugmaschine, Fabrique und Stanzwerk dans la région de Oldendorf. En octobre, en 1930, il sera diplômé et il va travailler dans une quincaillerie, mais par les circonstances économiques, il sera en chômage pendant 2 ans. Octobre 32 jusqu'à mai 33, il est inséré comme chômeur chez le Notstandsarbeiten bei Flussregulierung lors de l'infection des rivières et donc le travail et emploi du gouvernement. Bon, lors de la montée du nazisme en juin 33, il pourrait faire sa formation, l'assistant caissier à une banque d'épargne à Oldendorf, son village natal, et en octobre 33, il sera assistant de Kreissparkasse, caisse d'épargne à Lübeck. Donc, il sera caissier principal en 39. Il est membre de Waffen-SS. Il va arrêter ses travaux
et dans le volet militaire. Voilà la préhistoire, bon, qui connaît un déroulement classique, formation commerciale, situation de pauvreté, 2-3 ans de chômage. Il a eu une réussite dans une carrière administrative. Si vous allez regarder sa carrière militaire, qui court à partir du période octobre 33. Donc, il va adhérer à l'Allgemeine SS en 33. Dans sa déclaration après la guerre, il va dire qu'il voulait adhérer au SA, mais ce n'était pas permis parce que pas avant 33, il était accédé à la SA. C'est un peu incroyable, hein? Pas... je ne pouvais pas aller à la SA, je devais aller à la SS. Bon, en octobre 37, il est membre de la partie nazie. Et le 1er octobre, il va se marier avec Hildegard Stickhorst, son épouse, avec laquelle il a deux enfants, Gudrun Hocker en 33. Et lors de ce moment, en 1944, novembre 33, il accède à la Waffen-SS. Il y a 9 mois de formation militaire, donc il a le 9e régiment d'infanterie à Gdansk, donc il aura une formation et par après, il va aller dans la direction de l'administration du système de camp. Bon, il est labellé comme garnison Verwendungsfähig Heimat. Bon, il a une blessure au genou, une blessure sportive qu'il est inapte au militaire. Et il sera donc Kompanieschreiber. Il va aller à l'inspection à Berlin, Oranienburg. Et il sera le centre de système concentrationnaire de l'SS. Il fera ses premiers pas en direction de Neugammen. Il va travailler 2 ans, rapide pause dans l'Arbeitsdorf, le centre de concentration. Et après la liquidation de l'Arbeitsdorf, le centre de concentration, il va suivre encore un entraînement militaire, une formation d'officier dans la Junkerschule. Et après l'obtention de son grade d'officier, il va gravir tous les échelons, tant en Dublin, dans le camp d'extermination et Auschwitz-Birkenau, pour finir à Dora-Mittelbau. Donc, brièvement, donc, je vais revenir sur sa carrière en camp de concentration, mais pour vous dire que pour un certain nombre de personnes, c'est un déroulement très classique. Ce que j'apprends, si on parle de gens comme Eichmann, Wirth ou Höss, donc il y a beaucoup d'éléments criminels qui sont présents, comme le meurtre que Höss a commis, mais ce sont des gens compétents qui soigneusement, ils sont très, toutes leurs compétences sont insérées pour faire une carrière dans un système destructif. Mais la notion de ce processus d'évolution, je vais vous l'expliquer tantôt. Tout d'abord, je vais m'approfondir sur son séjour dans un certain nombre de ses endroits et la position importante que Höckl a dans ces différentes périodes. À ce moment, en 40, il arrive à Neugammen, donc il est labellisé comme quelqu'un qui n'est pas actif militaire, mais sur le inner front, en raison de sa blessure au genou, un ingrédient important, hein, parce que c'est quand même un facteur déterminant, hein. Mais il part de l'inspectorat et il va y aller, vous le voyez là, sur cette photo, à Neuengamme, voilà, Karl Höcker, et cet homme est Richard Beer, bon, c'est son collègue permanent, qui va évoluer. Donc, pendant 8 jours, il a eu le rôle de gardien, mais par après, il est venu dans le rôle administratif et il a gravi tous les échelons. Il avait des compétences et des talents organisatoires. Donc, à Neuengamme, ça a été révélé donc, avec un certain nombre de personnes, avec un camp accessoire. Arbeitsdorf a été érigé. Et ça fait partie de l'empire économique de l'SS. Volkswagen Werk KDF Stadt,
donc les sous-officiers, stabschef, donc sous la direction de commandant de camp Gottfried Weiss. Dans son réseau, il va établir de bonnes relations. Je le connecte à cet endroit parce qu'il s'agit de réseautage. Et si vous voyez qui entre en contact avec qui, sur quel endroit et où ces réseaux jouent un rôle important, également dans l'évaluation et l'évolution de carrière, le positionnement de carrière. Le 15 septembre, décisions sont prises en 42 que le camp n'est plus utilisable en raison des conditions de guerre. Première moitié d'octobre, c'est fermé et démantelé. Il y a très peu de photos. Il atteste, voilà la seule photo de Karl Höcker et Richard Beer à l'époque de leur période active en Arbeitsdorf. De là, il part en camp militaire Ibiza. Et là, il sera en courte période d'octobre-novembre. Là, il partira à Dachau. À Dachau, il se prépare à Junkerschule, l'école d'officiers, et pendant 6 mois, avec réussite, il va compléter sa formation d'officier. Après cette formation, il prend un travail intérim à Berlin sur l'inspectorat. Ce qui est passionnant, après la guerre, Höckel en témoigne. À Berlin, j'essaie en vain d'être m'assurer de ma tâche et d'aller sur le front. Ils m'ont dit qu'il fallait faire mon devoir où je devrais aller. Donc, c'est très incroyable. Hein. Donc, c'est peu probable si vous allez analyser le reste de la situation très convaincue. Il a de grande importance de voir comment cette perception après la guerre a eu lieu. Et bon, Befehl ist Befehl, c'est ça la logique. Et je recherchais comment ça a changé lors de ce procès. Le procès de Höcker, après la Deuxième Guerre mondiale, c'était quelqu'un de grande arrogance. Et jusqu'à la finale, et le jugement, il a déni. Bon. Mais d'abord, sa carrière préalable se trouve dans le Gammer et Arbeitsdorf. Et finalement, il aboutit, et cela est dû au réseautage et également les connexions avec Weiss, au camp de concentration Lublin, et il y jouera un rôle très important également lors de l'époque de l'action Reinhardt. Pendant un an, il est donc l'adjudant du commandant du camp de Lublin, ensuite Florstedt et Weiss, que vous connaissez, qu'il connaît de Neuengamme et de Arbeitsdorf. Et à ce moment-là, il sera également confronté à l'opération Reinhardt et surtout le 23 novembre 1943, action Erntefest, les exécutions à la fin du camp. Ce qui est très intéressant, c'est qu'au moment juste après la guerre, lorsque Höcker fait référence à l'action Erntefest, il dit, et cela n'a jamais été non plus dénié par après, qu'il n'était pas présent dans le camp, qu'il avait un genre de typhus et qu'il se trouvait à Lublin et qu'il n'était donc pas présent lors de l'action Erntefest. Cela n'a jamais été découvert, mais il y a 7 ans, dans les archives de Majdanek, j'ai découvert une photo. Et cette photo, en fait, c'est un document personnel. Et en tant qu'adjudant, on était bien évidemment également touché par tout ce qui a trait au personnel. Ceci est en fait ce qui s'est fait partie des dossiers de Majdanek, mais de tout se trouve dans les archives en Russie. Mais par contre, on sait par le billet de sources orales qu'à partir du mois d'octobre, il était à nouveau en service. Mais j'aime montrer ce document, car ceci est bien évidemment la preuve du crime. Il a été signé par Höcker, voilà son paragraphe, il reviendra quelques fois après. Il s'agit d'une modification d'adresse du SS-Mann Richardshechtel, disant que le 3 novembre 1943 a été signé par Höcker. Donc il est très clair qu'à ce moment-là, il se trouvait dans la commandature et qu'il signait certains documents. Et cela n'a jamais été découvert au préalable. On le
présumé, mais jusqu'au moment du tribunal, et à ce moment-là même, on n'avait pas ce document en main. C'est quand même important, car en tant qu'adjudant du commandant du camp, vous avez quand même certains pouvoirs également concernant les munitions, équipements d'armes. Donc, il est impossible que Höcker, lors des réunions préalables qui préparaient l'action Erntfest, était certainement présent et qu'également au niveau de l'organisation du camp, il a joué un rôle important. Je tiens encore à vous montrer ces photos-ci. Voici Lublin. Je vous montre le camp, les cinq champs. Les cinq camps, là où il y a l'action Erntefest, la commandature, etc. Mais j'aime également vous montrer ce plan-ci qui a été fait par la Bauleit. Donc, ce que vous avez vu maintenant, c'était la commandature et les cinq champs. Et ici, les tombes. Et ceci est un plan d'agrandissement. Et je vais revenir par après là-dessus. De Auschwitz-Birkenau, actuellement, nous disposons également de certains plans, c'est-à-dire qui démontraient à quoi devait correspondre l'infrastructure au terme de la guerre. Il y a donc certains projets d'agrandissement à grande échelle. Ce plan-ci, je pense, remonte à 42, et cela démontre quand même quelles étaient les perspectives d'avenir qu'on avait pour certains lieux. Mais je vais revenir sur ce point à la fin de mon exposé. Donc, Höcker était présent. D'autres personnes, telles que Erich Mühlfeld, ont témoigné à ce niveau-là. Vous avez déjà entendu un certain nombre d'histoires. Je ne vais pas approfondir cela, mais vous connaissez les faits. Cette action de meurtre énorme pour camoufler les tirs, la musique pour que cela ne soit pas répandu en dehors de la zone du camp. Donc un événement important. Et pourquoi? Parce que lorsque Höcker était présent pendant un an à Lublin et surtout l'action Reinhardt et l'action Erntefest, enfin qu'il y a donc été présent, cela le rend vraiment un expert en ce qui concerne l'extermination. Il est donc un lien entre le chef du commandant et tous les problèmes qui doivent être trouvés et résolus sur le terrain. Il y a donc des personnes clés très importantes dans ces structures ou dans les processus de meurtre. En mai 1944, ensemble avec un certain nombre d'autres experts, ce réseau part vers Auschwitz-Birkenau, juste avant la grande action, l'action Höss, donc le meurtre sur les Juifs hongrois pendant 8 à 10 semaines à Birkenau. À ce moment-là, Richard Beert, un vieil ami, vient de l'inspectorat, sera donc le dernier commandant du camp de Auschwitz et deviendra donc la main droite, l'adjudant, ce que vous avez déjà vu d'ailleurs sur la première photo du album Höcker. Ensuite, il sera promu et il participera. On a longtemps essayé de voir si Höcker était également sur cette photo de Liliane, car il y a un certain nombre de processus pour déterminer qui se trouvait sur le perron. On n'a pas retrouvé Höcker. On a entendu raconter qu'il était présent. Le transport visuel grâce à cet album nous montre quels sont les procès qui ont eu lieu sur place. Ensuite, octobre, novembre, les meurtres s'arrêtent et ce sera jusqu'au 18 janvier 1944 que Höcker restera présent au sein du camp. Il part quelques heures après Richard Beer. Et que fait-il? Il va vers un grand camion, il y a des prisonniers et pas mal d'objets de la commandature sont chargés. Avec cela, il va d'abord à Grosrosen, ensuite il reste deux jours sur place. Par après, ils vont à Dora-Mittelbau, le camp où, ensemble avec Richard Beer, il reprendra à nouveau la direction. Lorsqu'on regarde où Höcker se trouvait, c'est-à-dire au coin de Auschwitz 1, vous avez la villa Höss. Donc, le bâtiment commandature a vu sur sa propre villa. Höcker se trouvait juste en face et avait vu sur la rivière Soa.
et également une partie du camp, bien évidemment. Il était logé à Auschwitz I, mais il était adjudant du commandant du camp, donc premier en rang. Auschwitz II, Birkenau avaient leur propre commandant de camp, mais Richard Beer était en fait le commandant de camp chapeautant, donc il avait également d'autres capacités. Donc finalement, il part à Grosse-Rose en 1944. Il témoigne par après qu'il n'aura rien vu de ces marches de mort qui avaient lieu à ce moment-là. Il disait avoir suivi une autre route, ce qui semble tout à fait incrédible. Et finalement, jusqu'à avril 1900, jusqu'à la libération de Doha par les alliés américains, il restera présent. Doha est un camp important, car on n'a pas seulement le Lil Yakin album qui a été trouvé, donc trouvé par Lil Jakob dans une ancienne baraque des SS probablement. C'est vraiment intéressant car on ne le sait toujours pas avec certitude, mais moi je pense que l'album Hooker devait également se trouver sur place. L'exemplaire original qu'on a offert à Washington a été par un officier de CIC, qui est en fait un genre de précurseur de la CIA, trouvé soi-disant dans un appartement à Francfort am Main. Mais Hooker n'est jamais passé par là, donc très étrange. Et il est également connu que beaucoup de matériel des services de renseignement nazis passait d'un service vers un service ami. Donc ma théorie, et je l'ai déjà dit quelques fois aux collègues américains, c'est qu'en fait, ceci provient de l'archive des renseignements de Washington qui l'ont offert, mais qui ne veulent pas le dire, car à ce moment-là, on va leur poser la question suivante, qu'est-ce qui se trouve encore dans vos archives de renseignements? Et cela serait un inconvenient truth. Mais probablement, le Hooker album a également été trouvé là par les personnes donc, du CIC, précurseurs du CIA, et a également, comme ça, trouvé son chemin jusqu'aux États-Unis. Ce qui est important, c'est le rôle, la fonction, la position officielle qu'occupe Hooker à Lublin et également à Auschwitz, c'est-à-dire qu'il est adjoint du commandant du camp, donc la main droite, non pas seulement avec Weiss et Baer, ce sont de très bons amis. Ils joueront un rôle central entre ces deux personnages. Mais vous allez voir que Hooker est, pour ainsi dire, un hub dans le réseau des acteurs. Si vous regardez les prescriptions qui ont encore été établies ou nommées par Eicher, vous allez voir qu'il s'occupe surtout de l'administration du personnel, l'administration des exercices de tir, mais également des missions spécifiques liées à la commandature. Il était responsable du suivi. Rudolf Höss dirait plus tard que c'était une des fonctions les plus importantes au sein du camp, car à ce moment-là, vous occupiez un poste de confiance. Vous savez très bien ce qui vient de Berlin et en fait, vous êtes le premier à savoir ce qui se passe sur le terrain. Plus après, car lors de la deuxième partie, c'est-à-dire sa vie après 1945, vous allez voir que ce rôle d'adjoint est vraiment le thème d'étude. Que se passe-t-il après la libération? Hooker va dire qu'il est officier du Wehrmacht, donc un sous-officier par les soldats britanniques. Finalement, il est arrêté à Oldenburg, tout près de Schleswig-Holstein. En 1946, donc il est donc arrêté par les Alliés. En 1946, les Britanniques le relâchent, ne sachant pas qu'il est un membre des SS et qui se trouve donc également sur la liste des auteurs de guerre criminelle. À ce moment-là, il se cache. Il va aller à Kattendorf, il va travailler dans un moulin où il va faire également la comptabilité. Donc un petit peu les mêmes tâches qu'il effectuait au préalable dans le camp. En 1952, il va introduire sa demande de dénazification. Et ceci pour la dénazification de Reichsbürgerkammer. C'était la période au moment où les personnes écrivaient des lettres de blanchiment les uns pour les autres en disant
voilà, moi je garantis que cette personne-là n'a pas fait des choses inacceptables lors de la guerre, car l'un était déjà plus blanc que l'autre. Et lorsque vous regardez ces documents de demande d'indemnisation, vous allez voir que c'est un témoignage tout à fait honnête. Donc cet homme décrit réellement ce que je viens de vous nommer. Ensuite, j'ai été à Neuen, puis à Arbeitsdorf. Donc, c'est le processus total avec les dates exactes, y compris Auschwitz-Birkenau. Il minimalise son rôle. Il dit « Je n'effectuais qu'un rôle administratif », dit-il. Mais il ne cache rien. Et cela démontre un petit peu quelle était l'ambiance de l'époque. Ensuite, on lui retire sa liberté pendant 9 mois, non pas seulement pour des crimes établis ou des délits, mais parce qu'il était membre de la SSSS, bien évidemment, étant typé comme organisation criminelle. À quoi Höcker réagit? C'est pas très lisible, mais il dit « Je ne comprends pas bien si je suis vraiment membre d'une organisation ou que c'est une raison pour me condamner. Si tel est le cas, je voudrais que cette peine ne soit pas du tout acceptée, car il n'est vraiment pas du tout d'accord d'être condamné parce qu'il est membre d'une organisation. Mais suite à une mesure d'amnistie, il ne devra jamais passer un jour en prison. Bon, cette dénazification est complétée et afin de retourner à Hauschlich-Obdendorf, à Lübeck, où il voudrait reprendre une vie normale. Il devient de nouveau caissier principal auprès de la Kreissparkasse à Lübeck. Et jusqu'en 1960, il mène une vie comme un fleuve tranquille. Tout change cependant le 20 décembre 1960, car à ce moment-là, on trouve un homme qui était recherché. Cet homme s'appelle Kurt Neumann. Neumann, le nom de Richard Beer, qui s'y est également caché, qui se fait passer pour tout à fait autre chose et qui avait pris ce pseudonyme. Et à ce moment-là, là sont entamées les recherches à tout ce qui se passait à Auschwitz-Birkenau, parce que l'autre s'était passé pour bûcheron. Ici, vous voyez une photo de Höcker au moment où il a été auditionné, et il minimalise son rôle, il minimalise sa fonction. Or, il est très ouvert. En fait, il traduit tout ce qui s'est passé à un certain moment. Il dit, je me souviens encore toujours l'implémentation de l'action hongroise, beaucoup d'ordres ont été donnés. Donc, en fait, il ne cache réellement rien, mais il embellit son rôle, il minimalise son rôle. Mais tout change au mois de mai 1960, car à ce moment-là, voici ce qui est publié dans un journal à Lübeck, notamment 24 incriminés dans le plus grand procès de mort de masse, et là il s'agit du procès qu'il y a eu à Mannheim en 63, et là on fait référence qu'un des adjoints, Karl Höcker, avait travaillé à Lübeck. Il rate aussi à Kassenrat, donc il est relativement vite licencié, non pas seulement pour implication, car des documents ont été retrouvés, comme quoi après la dénazification, le directeur de la banque était au courant de ce dans quoi Höcker était impliqué. Mais bon, bien évidemment, lorsque les médias se jettent là-dessus, les choses changent. Höcker est licencié, il réagit immédiatement. Je n'ai pas été emprisonné, ce qui explique tout. Je n'avais aucune position de pouvoir dans le camp. Je n'étais vraiment que le lieu de passation entre le commandant et les autres. Voilà sa déclaration. Mais on voit que il y a très peu de réactions concernant ou en réaction à cette personne. J'ai également apporté une audio d'une prise panoramique où on parle des différents auteurs qui sont jugés dans le procès d'Auschwitz. Et c'est le bourgmestre de la ville de Lübeck qui se prononce sur un certain nombre de Das Städtchen Lübecke in Westfalen.
Unter diesen Bürgern lebt Karl Höcker, der auch in der Nachbarschaft Lübeckes geboren wurde. Als SS-Obersturmführer war er Adjutant im Vernichtungslager Majdanek und später in Auschwitz. Hier verlässt Höcker als einer der nicht inhaftierten Angeklagten den Auschwitz-Prozess. Bis zu Beginn des Prozesses war er Hauptkassierer der Kreissparkasse in Lübecke. In diesem Haus wohnt Höcker auch heute mit seiner Familie. Bürgermeister von Lübecke ist der Schneidermeister Erwin Klute. Als Bürgermeister der Stadt Lübecke kann ich über Karl Höcker nichts Nachteiliges berichten. Er war während seiner Tätigkeit auf der Kreissparkasse seinen Kollegen gegenüber ein anständiger und zuvorkommender Mann. Auf dem Publikum gegenüber ist er immer anständig und zuvorkommend gewesen. Er hat hier in der Stadt Lübeck als Bürger der Stadt Lübeck einen guten Kontakt gehabt zu verschiedenen Vereinen. Und man hat auch nichts Nachteiliges über ihn gehört. Ich kann über sein Vorleben nicht berichten. En ce qui concerne sa vie préalable, je ne puis rien vous communiquer. Karl Höcker est à mes yeux un anständiger Bürger, un citoyen comme il le faut. Voilà l'histoire de Karl Höcker et une histoire, un élément qu'on retrouve auprès de beaucoup de personnes importantes. C'était donc une série dans le Stern et cela s'appelait Les meurtres sind unter uns, donc les meurtriers sont parmi nous. Pour démontrer qu'ils ont repris une vie tout à fait ordinaire en tant qu'infirmiers, pharmaciens au sein de la société. Quand même un élément important, car cela nous parle de tout ce qui peut changer, non pas seulement lors des périodes de violence, mais également par après, c'est-à-dire reprendre un rôle social normal dès que vous êtes rentré. Ici, quelques témoignages de collègues qui, très rapidement, vous allez l'entendre, défendre Höcker. Donc, le procès commence le 20 décembre 1963 à Francfort am Main. Tous les projecteurs du monde entier sont braqués sur ce procès. Ce qui est étrange, c'est qu'on retrouve très difficilement Höcker dans ce procès. Bien évidemment, dans le procès verbal que vous pouvez regarder chez Fritz Bauer ou online, vous allez retrouver cela. Mais si vous allez voir les témoignages des médias, on va toujours parler de Robert Mulke, l'autre adjoint qui a été accusé, et Höcker parvient de façon admirable à se cacher, à se camoufler. C'est par ailleurs la seule photo, et je peux vous dire que j'ai vraiment fouillé énormément, où on voit Höcker lors le procès Auschwitz. Höcker, Mulke, l'autre adjoint qui avait également été accusé, qui faisait défaut, Richard Beer même. L'homme était décédé lors des auditions préalables suite à une crise cardiaque, ne pouvait donc plus être jugé. Mais lorsque on vérifie ce procès, que constate-t-on? On recherche surtout qui peut être accusé, à quoi ressemble cette structure, l'organisation du camp, qui a quel pouvoir, et surtout la discussion, quels sont les rôles et les responsabilités de qui et à quel moment. Je ne vais pas tout parcourir, mais vous avez cette structure à 5 branches, la commandature, les différentes branches politiques. Par contre, ce qui rend le tout très complexe, c'est qu'il y a un changement entre la répartition des 3 camps. Avant, c'était plutôt une approche centraliste, donc cela avait changé. Et cette structure complexe est à chaque fois avancée tout au long du procès pour que le rôle, pour que la responsabilité soit minimisée. Vous allez tout de suite vous retrouver avec 2 grandes tendances. La défense avance que Höcker était un petit maillon pas très important dans cet ensemble et qu'il arrive en fait à un moment où toute cette machine s'était déjà formée et mise en route. Mais lorsqu'on regarde la partie accusante, cela sera tout à fait autrement vu. Christophe Rahm, à mon avis, l'a vu le plus et il dit que c'est un moment d'incident. C'est vraiment un hub, dit la partie plaignante. C'est quelqu'un qui se trouve entre la prise décisionnelle et l'exécution pratique. Et cette personne-là occupe une position tellement centrale qu'on puisse vraiment le considérer comme étant un élément incitant. Finalement, il est donc accusé pour assistante au meurtre.
grande discussion s'ensuit. Vous voyez ici ce que dit Rudolf Höss, une photo qui parle de soi, Karl Höcker. Et lorsque vous regardez les photos, cet homme essaye toujours de se cacher et il y arrive très bien, il parvient également très bien de se garder à l'écart des médias. Des témoignages très poignants peuvent être trouvés lorsqu'on écoute les témoins, lorsqu'on voit par exemple un moment lorsque l'absent commandeur de Birkenau par rapport à Dachau change, et je pense que c'est un juge ou un plaignant qui dit oui, c'est exact et vous ne le saviez probablement pas parce qu'Auschwitz 1 se trouve à 10 km de Birkenau, où Höcker répond de façon très arrogante, 5 km. Et à ce moment-là, vous sentez que cette arrogance est réellement très, très présente. Mais cela change, surtout après les témoignages du photographe Bernhard Twald. À ce moment-là, des témoignages de nature très préjudiciable sont faits. Et à ce moment-là, on change, que Höcker change. C'est vraiment un mouvement clé. Et après, lorsque vous allez lire ce qui a été dit les jours suivants, c'est qu'ils ont tout oublié. D'abord, ils sont arrogants, et puis non, et puis après le changement. Moi, je m'en souviens pas très bien, ça remonte il y a trop longtemps. Et tout à coup, c'est l'âge qui fait qu'on ait des problèmes de mémoire. Finalement, beaucoup de personnes sont jugées. Höcker même sera condamné à 7 ans de prison. Et on lui enlève ses droits civiques pendant 5 ans. Il sera incinéré, restera 2/3 en prison jusqu'au 1er avril 1970. Et à ce moment-là, il a été 5 ans, 1 mois et 1 jour en prison pour, malgré tout, quand même un rôle plus qu'important. Le procureur a demandé une fois à vie, condamnation à vie pour assistance à meurtre. Klebre a demandé 400 000 fois, donc 400 000 morts hongrois et autres fois condamnés à vie, donc 400 000 fois. Et finalement, il a été condamné à 7 ans, dont il est resté 5 ans et un peu plus en prison. Événement fort important, et vous pouvez vous dire maintenant c'est fini, mais non, l'histoire continue à le rattraper. Après être libéré en 1970, que recommence une carrière en tant que comptable, vous voyez la continuité de ce qu'on peut appeler ses talents. Il va travailler dans un magasin de meubles à Lübeck. 6 ans après, il part à la retraite. Et le 26 novembre 1984, un journaliste antifasciste, notamment Götz Bockmann, organiser une conférence de presse. Et mon témoignage ne va pas être sans conséquences. L'antifascisme change et à ce moment-là, on ouvre de nouveau les recherches concernant, entre autres, Höcker. Ici, à Lübeck, on va surtout attaquer Höcker en tant qu'adjoint. Que va-t-on d'abord examiner? Est-ce qu'on peut déjà le juger parce qu'il a déjà été jugé pour ses méfaits à Auschwitz? Mais il y a ce concept comme la Gesamtstrafe, donc la peine totale. Ici, à le plaidoyer, il s'agit d'autres crimes. Auschwitz, c'était 3 fois Beihilfe au meurtre. Donc, 3 actions avec comme suite des actions où étaient quand même présents plus que 3000 personnes. Finalement, on dit qu'il s'agit d'autres crimes à un autre endroit, à des autres moments, plus spécifiquement lors des actions de gazification à Lublin. Le cyclone B et l'installation de gazage est fortement développé. Et son avocat dit qu'il faut même aller visiter les lieux. Et cela a trait à la photo que vous voyez là, notamment après la guerre, les crématoriums ont été démolis. Ici, vous voyez les fours, mais vous ne voyez plus du tout les baraques en bois ou autres autour. L'avocat pèse le pour et le contre. Il dit si ceci est l'instrument de meurtre, et si on peut le reconstruire après la Deuxième Guerre mondiale, il faudrait douter de cela. Cette piste-là n'a pas été suivie, ce qui a mené vers une réaction très houleuse, car on trouvait que c'était révisionniste ou une stratégie de négation. Ensuite, quel est le rôle et la place de Höcker dans Majdanek pour Auschwitz-Birkenau? Lundi, il
occupe une position centrale, il est hub dans le camp, mais son avocat va dire, oui, mais quelle était sa contribution à la violence? Quels sont les faits qui sont liés à cette... À ce gazage. Et finalement, c'est cette femme-ci qui va tout résoudre. Elle est donc ancienne prisonnière et elle va, avec un certain nombre de documents, se rendre de Pologne en Allemagne. Des documents reprenant la signature de Höcker, où on voit qu'il est bien lié à la commande de l'outil de la meurtre, donc ce fameux cyclone qui a été retrouvé à 2 kilomètres du camp de Lublin. Chose étrange cependant. Voilà ce que vous y voyez. 500 kilos de cyclone B qui doit être récupéré à Tessor. Mais regardez bien, il s'agit toujours du paragraphe là dans la commandature où l'adjoint doit signer comme quoi il a pris connaissance de ces faits et qui va faire en sorte que ces renseignements seront transférés. Autre élément, vous retrouvez à nouveau sa signature. On y commande du cyclone B, des masques à gaz et autres matériels. Ici, on dit, on soulève, voilà, suite à la guerre, il y a un manque de fer. Il vous faut du fer pour faire ces conserves de cyclone B. Donc, on lui demande, est-ce que tu peux commander des grandes boîtes, donc moins de fer, plus de cyclone B. Et chaque fois signé par Kurtel, que vous pouvez voir. Ensuite, que voit-on? De mai 28 jusqu'au juillet 43, il existe toute une série de documents reprenant la commande de Cyclone B signée par Höcker. Et c'est finalement cela qu'on pourra utiliser contre lui, car en fait, il a passé la commande et accepté la commande de l'arme de crime, mais également parce qu'on peut primer que lors de cette période-là, au moins 3 actions de gazage ont eu lieu avec au moins 20 000 victimes. Donc, une limite inférieure. Mais là, vous voyez déjà la difficulté de tout ce qui est donc l'art pénal afin de démontrer des criminels. Frédéric Höcker a aujourd'hui été condamné à 4 ans. Le tribunal à Bielefeld l'a désigné comme coupable car il a vraiment prêté assistance à tuer au moins 60 personnes. Il était en effet adjoint du commandant à Auschwitz, M. Christopher, a suivi le procès de Karl Höcker. Cet après-midi, avant le tribunal de Bielefeld, les démonstrants exigent que Karl Höcker soit vraiment condamné. En fait, il faudrait tirer des leçons du cas Höcker. En même temps, 300 mètres plus loin à peine, un accusé vers le tribunal. Et voilà comment il se comporte. Et c'est bien connu de sa part, on le reconnaît. Il frappe des journalistes, quelqu'un pour qui il n'a pas été reçu pour des raisons de santé. Ensuite, le jugement, 4 années de condamnation pour aide au meurtre. Et cela met la fin à un procès qui a duré presque 9 mois. Regardons en arrière, le 8 août l'année passée, début du procès. Avant le tribunal, nous voyons une personne qui est bien connue par la justice. 1960 déjà, la SS Obersturmführer avait été condamnée à 7 ans. Pour quelle raison, quel motif aide au meurtre? À ce moment-là, Karl Friedrich Höcker, maintenant Friedrich Höcker était à nouveau condamné, ici en tant que témoin, maintenant il se retrouve sur le banc des accusés. Une chose est claire depuis le début, ce sera vraiment un procès difficile. Karl Friedrich Höcker n'est pas quelqu'un à qui on peut faire des reproches personnels. Il ne se trouvait pas sur la rampe lorsqu'il y avait des sélections. Non, il était plutôt ce qu'on appelle un responsable moins actif.
un qui pensait plus à développer sa propre carrière plutôt qu'au fait que sa collaboration faisait en sorte qu'on pouvait exterminer les Juifs. Donc vous voyez que l'avocat tourne son journal Bild, mère de l'enfant non voulu, et le trouve. L'avocat était un tout petit peu embêté que cela devenait l'image que les gens allaient retenir d'Hoecker. Que va-t-on voir? Hoecker ne sera condamné que pour 4 ans. 4 ans. 4 ans d'emprisonnement pour aide au meurtre, pour ce meurtre, pour ces 20 personnes pour qui il avait commandé du gaz cyclone B. Donc c'est très difficile pour les personnes qui se trouvaient dans une position intermédiaire, qui ne peuvent pas prouver qu'ils avaient un pouvoir immédiat. D'ailleurs, lorsqu'on regarde maintenant de nos jours le tribunal de la Yougoslavie, qui a des nouveaux concepts comme le command responsibility, justement pour pouvoir s'atteler à ce genre de position difficile, car ce sont donc des éléments d'incitation, des hubs dans tout un réseau. Finalement, le 28 février 1990, il est incarcéré, arrêté. Deux tiers du temps, il sera donc en prison et en 92, il sera libéré sous une mesure probatoire. Vous lisez donc le rapport de l'assistant de probation. À plusieurs reprises, Hoecker explique qu'il a été condamné d'un crime dont il ne porte pas la responsabilité. Il est un homme à la fin de sa vie, avec un âge avancé, qui n'a plus rien à perdre et qui le croit, en fait. Ça montre comment la psychologie après la guerre est problématique. Donc l'homme n'a plus rien à perdre ou à gagner, mais bon, il est bien convaincu qu'il n'a rien à lui reprocher. Donc il mène une vie cachée à Lübeck. Donc Das Bild a retrouvé donc sa tombe au moment que Hoecker a été le 30 janvier 2000. Il va mourir dans une maison de repos dans le centre de Lübeck. Ce qu'on apprend de cette histoire, c'est une micro-histoire très détaillée d'un acteur, d'un auteur qui a pris une position importante dans l'action Reinhardt et action Rentefest. Donc, il est le maillon entre l'exécuteur et le commandateur. Donc, vous allez percevoir mieux le rôle dans le réseau. Comment un individu peut prendre tout ce réseau et ses relations pour constituer donc la violence. Mon collègue de Dora Middleborg de Hoecker, il est spécialisé dans le réseau et comment ce réseau évolue et donc se développe à travers de l'histoire de la politique d'extermination. Quelle est l'importance? C'est le réseau personnel qui offre des possibilités de carrière, mais également des chances de protection si vous allez faire des délits comme les vols. Donc, ce qui a également son importance, c'est le glissement organisatoire dans la structure de personnel en 33, donc la lutte SA-SS dans le camp en 36, 39, 44. Vous voyez le grand glissement. Hoecker et un certain nombre de personnes de ce réseau, qu'est-ce qui a son importance? Des sources où il y a très peu d'accès jusqu'à il y a 7 ans, on ne savait pas qui Hoecker était présent le jour d'Action Erntefest pour faire l'analyse exacte de ce qui contribue à ce processus de violence. Si vous vous basez sur les documents historiques, il y en a beaucoup qu'on ne dispose pas. Maintenant, vous avez des documents photographiques. Vous voyez la proximité, le contact,
C'est un nouveau mouvement et la psychologie, la psychiatrie forensique, dans l'analyse des réseaux sociaux, c'est pas seulement, mais c'est toutes les relations entre les acteurs qui est connecté avec si et cette personne, ça le fait. Que ça a toute son importance et qui a déterminé sa croissance dans le réseau. Un bel exemple, c'est cette photo du 17 juillet 44. Vous voyez Anton Truman sur base document. Il n'y avait aucune preuve que Truman de Majdanek et de Lublin déplacé à Auschwitz. C'est seulement au moment qu'on voit les photos qu'on se remarque qu'est-ce que Truman fait ici à Auschwitz. Donc ça démontre qu'il y a beaucoup de structures, des connaissances et des évolutions des auteurs ne sont pas encore connues pour réaliser comment tout ça a été effectué. Donc du point de vue criminologique, on va étudier les micro-histoires, comment au sein de que la micro-criminalité, donc ce qui chapeaute le tout et le phénomène de violence, comment on peut la lier les uns entre l'autre. Donc s'il s'agit des causes, donc très souvent on fera des liens. Bon, voilà, cette personne qui a fait ça est un psychopathe. Bon, sur base des analyses historiques, vous ne pouvez pas appeler quelqu'un un psychopathe. Vous pouvez dire que cet homme a fait des faits horribles, destructifs, mais vous ne pouvez pas faire un diagnostic. Donc, l'explication de la psychopathie dure pour des crimes violents. Donc là, on voit que le développement de la psychopathie de noyau ne suffit pas pour déclarer donc la destruction de grande envergure. Ou la science aujourd'hui, c'est pas seulement voir les causes de l'individu ou d'un service ou d'un groupe, mais quelles sont les causes des causes, etc. Donc, qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui de nouveaux modèles afin de rendre plus compréhensible la cause d'un modèle d'un collègue norvégien qui s'occupe des études de terrorisme, donc pour avoir un aperçu. Donc il fait une ventilation entre les causes structurelles, des causes pour la violence qu'on a connue avec la Shoah. Donc c'est le contexte de guerre. Donc 39, c'est un terreau pour ce phénomène de violence, surtout en mesure que la guerre évolue, qui le facilite, et vous allez faciliter ou accélérer. Il y a des choses qui vont rendre la violence attractive, les chances de carrière, être membre d'SS, évoluer au sein de l'organisation, aller sur le front intérieur, etc. Il y a des motivations et des aspects individuels et motivationnels. Pourquoi faire carrière? Pourquoi être ami avec cette personne? Il y a des choses qui ont beaucoup à voir avec le contexte, comme par exemple l'action Reinhardt, l'action Erntefest. Ce sont des choses qui ont leur cause en-dessus de toutes ces données. Voilà, j'espère, sur base d'une micro-histoire, Karl Höcker, de vous révéler quelques lacunes dans la recherche. Mais c'est quand même très difficile, tout ce contexte et ces acteurs qui pourraient donc faciliter donc les éruptions de violence. Le commun rouage est quand même un élément très important.